afin de vous présenter un échantillon de mon immense talent, je vais vous interpréter un medley, c'est-à-dire pour les puristes un pot-pourri textuel de mes plus grands rôles. Le voici. Je ne suis pas difficile et sévère, mais entre nous, songez que votre père, pour avoir pris le train que vous prenez, se vit au rang des plus infortunés. Perdissez bien, languit dans la misère, fit de douleur expirer, votre mère est près d'ici, mourut assassinée. Si comme moi cette fin déplorable vous eût frappé, vous seriez raisonnable. Écoutez-moi, je suis las aujourd'hui du train des cours où l'on vit pour autrui. Et j'ai pensé, pour vivre à la campagne, pour être heureux, qu'il faut une compagne. Les Grecs sont superflus. Ben, je suis Picard. Je revois avec joie tous mes vassaux. Sortons, cachons le désordre tout de suite. Je confesse que tout mortel est pétri de faiblesse, que le sage est peu de choses. Entre nous, j'étais tout près de l'être moins que vous. Eh bien, si j'aime, je reste encore un maître de moi-même. Et je pourrais réparer tout le mal. Je n'ai parlé d'hymen qu'en général. Oui, vous êtes heureuse. Oui, sur ma vie. N'en doutez pas, c'est ma plus forte envie. Que faut-il faire? En voici le moyen. Eh bien, donc, je vous donne 3000 francs pour la dot et j'ordonne que Mathura vous épouse aujourd'hui. Oh, sans les propos, mon cœur est perdu. À quand? Mais là! Je ne partirai plus. Ta rectitude morale est admirable. Tu es une grande conscience, l'amour du genre humain n'a pas de secret pour toi. Tu es une grande conscience et tu l'es sans chercher à en tirer profit, ce qui est très exceptionnel. Moi, j'ai à combattre un homme capable de tout. Il est bon que j'avance mes principes, mais si je les applique, je suis perdu. Tu es intelligent, tu dois comprendre cela. Laisse-moi faire ma guerre. Quand je l'aurai gagné, je te ferai une paix où tu verras la probité, la vertu et je ne sais quoi encore, tout ce que tu voudras. Mais jusque-là, laisse-moi faire ma guerre. C'est César qui me l'impose. Non, César est un voyou. Il n'y a pas auprès de lui quelqu'un qu'on puisse nommer, à part Antoine, encore pire que lui. Non, il y a malgré tout en face quelqu'un d'à peu près bien. Oh. Je pense à Asilius. Oh, Asilius, celui-là. L'as-tu déjà vu quelquefois se battre? Ici, on se laisse pousser la barre plus loin parce que nous sommes à la guerre et qu'on n'a souvent ni le temps ni les moyens de se raser. Mais toi, toi, c'est une barbe du premier jour, une barbe symbole, une barbe de provocation. Nous partîmes 500. Alors, reprend renfort. Nous vîmes 3000. Nous arrivons au port. Alors, si vous voulez me joindre. Ils peuvent pas te joindre. Bon, mais je vous laisse.